que transmettre, c'est votre passion. Parce qu'enseigner, ça s'apprend. Parce que former les citoyens et les citoyennes de demain exige des compétences de haut niveau. Parce qu'avec la démographie actuelle, il y a de l'avenir pour les futures enseignantes et enseignants dans le canton de Genève. Parce que vous ne voulez pas garder pour vous les connaissances disciplinaires que vous êtes en train d'acquérir. Enseignantes et enseignants dans l'enseignement secondaire 1. Enseignantes et enseignants dans l'enseignement secondaire 2. Chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation. Formateurs et formatrices d'enseignantes et d'enseignants. Conseillères et conseillers aux études dans une institution de formation d'enseignantes et d'enseignants. Parce que le diplôme combiné est la voie la plus rapide pour enseigner deux disciplines dans deux ordres d'enseignement partout en Suisse. Parce qu'une formation d'enseignante et d'enseignant à l'université, c'est rare en Suisse. Parce que marcher dans les pas de Rousseau et Piaget, c'est stimulant. Parce qu'étudier au cœur de la cité de Calvin, à deux pas des montagnes et du lac, c'est agréable. Parce qu'ici, c'est Genève. Les fans de hockey comprendront. Le master a une durée de 2 ans, il est proposé en version monodisciplinaire ou bidisciplinaire. Dans les deux cas, le master comporte des enseignements en didactique disciplinaire, en sciences de l'éducation et des enseignements pratiques sur le terrain. Pour la partie à l'université, vous serez encadré par des professeurs en didactique et en sciences de l'éducation, ainsi que des chargés d'enseignement. Pour la partie sur le terrain, vous serez suivi par des formateurs et des formatrices de terrain qui sont des enseignants chevronnés de l'enseignement secondaire 1 ou 2 selon là où aura lieu le stage. Pour accéder à ce master, vous devez avoir obtenu préalablement un bachelor et une maîtrise dans une ou deux disciplines enseignables au cycle d'orientation et dans les écoles de maturité. Ce qui me passionne dans ce master, c'est la possibilité d'agir sur les conceptions des étudiantes et des étudiants, et par là même de contribuer à l'évolution de l'enseignement de leur discipline dans les écoles genevoises. Et ça, on le voit très bien quand des anciens diplômés de l'Institut reviennent pour exercer la fonction de formateur et formatrice de terrain et accompagner leurs jeunes collègues dans la formation pratique sur le terrain. Ça contribue véritablement à cette rénovation de l'enseignement disciplinaire.